Oui, alors là, ici, c'est un livre qui s'appelle Le Lit d'Hubert Join, aux éditions Hachette. Dans ce livre, l'auteur a regroupé tous les tableaux, évidemment, de femmes, enfin les représentations de femmes dans un lit, couchées, nues, souvent d'ailleurs. Jean-Luc était quelqu'un d'assez, j'allais dire, qui aimait les femmes, je veux dire, qui était très sensuel, qui aimait la femme, les femmes plutôt, je préfère. Leur courbe, leur rondeur, etc. Je pense qu'il admirait beaucoup la plastique féminine. Souvent, ça lui arrivait de déchirer des images dans des journaux de femmes qui l'intéressaient, quoi. Et souvent, il les dessinait. Hein, il dessinait un élément. Et souvent, il dessinait, par exemple, des genoux, des jambes, des courbes, des profils, etc. Ici, au tout début, il y a une femme très plantureuse, là, ici. Et après, il y a une page avec quatre femmes dans leur lit, un peu dans la même position, en général, hein. Des décubitus, comme on dit. Et là, il a fait un petit dessin qui rappelle cet allongement, j'allais dire, cette attitude. Et ça rejoint un peu le L, hein, qu'il dessine. L, L, E, deux L, E aussi, hein. Donc une sorte de L un peu arrondi. La corporalité, si vous voulez, de la lettre, si vous voulez, là, ici, ressort énormément. À la plume aussi encore. Et il y a aussi, il aimait aussi l'architecture d'un lit. Ça le fascinait. On allait souvent visiter des châteaux. Et on voyait souvent des lits qui étaient raccourcis, des lits où les gens restaient assis pour dormir, pour ne pas mourir d'étouffement ou de... Enfin, c'était... Et ça le fascinait. Et là, il a dessiné justement, page 59, un lit, une sorte de lit, un lit comme une chaise, à côté d'une femme à plat ventre, enfin pratiquement à plat ventre, c'est bizarre d'ailleurs, l'association est bizarre. Et là, c'est un lit justement raccourci, quelque part. Et cette pièce, on la retrouve dans ses œuvres. C'est dans Manuel d'instruction pour machine pneumatique, en fait. On retrouve toujours cette forme, un dossier et une sorte d'assise très courte avec des angles. Lui, après, bah, transformer cela en machine pneumatique. C'est une machine pneumatique. Donc c'est la même forme exactement. C'est souvent des machines pour stocker l'univers, pour stocker les étoiles, les poussières d'étoiles, ce qui va aussi avec le lit. Là, il y a une représentation encore d'un lit très compliqué, très baroque. Encore une fois, un lit très court, un angle, et ça va devenir une machine. Ici, là, il y a une page extraite de l'encyclopédie Diderot, sans doute consacrée à l'ébénisterie et aux meubles. Et là, on a un lit qui devient pour Jean-Luc, sur la page d'à côté, une sorte de machine pour traverser l'espace, pour stocker l'univers. Les pieds ont été enlevés et la tête de lit devient une sorte d'abri, enfin de capot, si vous voulez. Ça n'est plus vraiment un lit. Ça ne devient plus un lit. Il y en a un là aussi qui est très beau. Là, c'est vraiment un lit. C'est une reproduction du lit. Le lit est absolument magnifique, grandiose. Ça, c'est ça qui a dû lui plaire, ce côté un peu luxueux d'un lit énorme. Dormait beaucoup, il aimait bien dormir, Jean-Luc. Dormait. Et ça, c'est un lit. C'était ce qu'on appelait des lits fonctionnalistes à l'époque. Hein. Enfin, c'était le design, quoi, les débuts du design de meubles comme à la Charlotte Perry, comme Charlotte Perriand, etc. D'ailleurs, ça ressemble à un meuble de Charlotte Perriand. Il a repris un lit métallique avec une armature métallique. Et il l'a redessiné. Il en a fait encore une fois une forme épurée, qui est d'ailleurs que l'on retrouve aussi dans ses œuvres.
Et alors, à la fin de ce livre, on découvre l'ensemble, la préparation d'un accrochage, en fait, à la galerie L'Œil Écoute, à Lyon, qui aura lieu en 91, et où on retrouve donc l'œuvre avec les deux cercles, des entrées de réacteurs, je suppose. C'est une exposition qui aura lieu en 91. Voilà. En dessous des œuvres, Jean-Luc a écrit « Chez moi ». C'est-à-dire, en fait, c'était des œuvres qu'il disposait sans doute chez lui. Il n'allait pas les faire revenir d'une galerie ou... Elles étaient chez lui. Il connaissait bien son... Il savait très bien où étaient ses œuvres. Il gérait très très bien ses transports. Il adorait ça, le transport des œuvres, ça le passionnait, de faire venir un avion. Alors justement, c'était amusant parce que à chaque fois, il s'adressait toujours à la TAT, qui travaille donc avec l'aviation plutôt. Donc il faisait transporter ses œuvres par la route, mais par la TAT. C'était une société donc qui travaillait avec les aéroports. Mais ça lui plaisait justement. C'était efficace d'ailleurs, il était extrêmement efficace.